623 alignés au départ, seuls 619 stagiaires ont franchi la ligne d'arrivée. C'est l'effectif enregistré dans les deux grandes villes du Congo lors du stage des corps militaires à l'initiative du commandement de l'armée congolaise. Cette première session du brevet technique, axée sur les métiers de la chaîne logistique, notamment la boulangerie, la couture, l'électricité et froid, le magasinage, la restauration et bien d'autres, ce, dans le but d'assurer l'autonomisation en logistique des différents corps militaires congolais. La cérémonie de fin de stage organisée ce 15 décembre à Brazzaville vient mettre un point d'honneur sur les compétences acquises par les apprenants. Il y a 5 mois, nombre de ces hommes et femmes n'étaient que des amateurs en logistique. Aujourd'hui, nous sommes fiers de vous présenter des professionnels de la logistique grâce au savoir, savoir-faire et savoir-être acquis pendant cette formation. Nous les estimons dorénavant compétents et donc capables de tenir les emplois dans ce vaste domaine qui est la logistique. En témoigne leur production pendant l'examen pratique, où ils se sont livrés à la fabrication du pain, à la confection des tenues, à la maintenance des équipements électricité, chaud et froid, à la réparation des chaussures et j'en passe. À la grande satisfaction des examinateurs civils et militaires. L'instant me paraît donc opportun, mon général, pour vous présenter les résultats finaux du distage. 619 stagiaires ont pu passer l'examen final et les résultats se présentent de la manière suivante. Moyenne la plus élevée de la promotion, 18,67. Moyenne la plus faible de la promotion, 12,00. Soit une moyenne générale de la promotion de 15,33. Lier la théorie à la pratique, c'est ce à quoi se sont donnés ces stagiaires finalistes durant leur formation. La bravoure des uns et des autres est ici saluée par le général de brigade, commandant de la logistique des forces armées congolaises, qui, après avoir remis les diplômes à un échantillon de concernés, les incite à transformer ces acquis en actions concrètes sur le terrain. J'adresse toutes mes félicitations pour le travail abattu. Un mathématicien malien, Mokhtar Keïté, disait « Quand la formation requise et en adéquation avec l'emploi obtenu, la compétence sera au service du progrès. Vous avez appris un métier qui vous servira à vie. Je vous recommande de ne pas dormir sur vos lauriers, car le plus dur commence après l'acquisition des enseignements théoriques et pratiques. Vous serez jugé quotidiennement sur vos prestations et votre performance. Aujourd'hui, avec les instructions de ma hiérarchie, la force de mes convictions et le recul que me donne l'expérience, je vous enjoins à vous de vous former continuellement. La formation que vous avez reçue revêt une grande importance pour l'État en général et la force publique en particulier, du fait qu'elle constitue une étape essentielle dans la création progressive d'un vivier logistique dans le domaine du soutien de l'homme. Amateurs au début de stage, aujourd'hui professionnels de la logistique, ces militaires sont plus que jamais satisfaits de leur formation. Ils ont d'ailleurs profité de l'occasion pour émettre quelques doléances à l'endroit de la hiérarchie. Traditionnellement, ce sont des sentiments de joie. Avoir fini un stage technique, je crois que ça peut être un sentiment de joie parce que nous avons acquis des connaissances approfondies dans le domaine de la logistique qui nous permettra de soutenir les corps de troupes et les organismes assimilés. Nous avons eu 7 options. Sur les 7 options, je crois que la technicité voudrait que c'était des métiers. Nous avons appris les métiers. Par exemple, en matière de magasinage, nous avons mis en pratique l'instruction ministérielle qui nous permet de gérer les denrées, de gérer le matériel en vue de soutenir les troupes qui sont parfois engagées soit en opération, soit en stationnement. Particulièrement, le stage s'est bien déroulé et c'est par rapport à l'option. Mon option, c'est l'option boulangerie. C'est une option que j'avais acceptée avec conviction et que je l'ai défendue. C'est que j'avais beaucoup hawaïé. C'est-à-dire hawaïé, ça veut dire que j'avais lu, j'étais séduit au cours et c'est pour cela le résultat. Cette formation est un signal fort pour la hiérarchie militaire qui prêche dorénavant
sur l'autonomisation de tous les maillons de la chaîne.